Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 3 maintenant de Stranger Deep, Stranded Deep, pourquoi je dis Stranger Deep, ça n'a rien à voir. Donc, il fait jour, je suis heureux de vous accueillir en plein jour. On s'était quitté, on avait réussi à faire du feu, on avait perdu malheureusement encore une fois le couteau. J'ai regardé la vidéo, le deuxième épisode, oh bâtard, qu'est-ce qui m'a fait ça? Enculé, va, je reviendrai, t'inquiète pas. On a perdu et j'ai pas retrouvé, j'ai pas vu l'endroit où je l'ai perdu. À mon avis, peut-être il s'est usé ou quoi, je ne sais pas. Donc, là on retrouve le camp qui est assez dégueulasse, je l'avoue. C'est parce que je suis un homme. Je suis un humain. Vous savez ce que c'est un humain? Un humain, c'est quelqu'un, c'est une espèce qui salit tout derrière son passage et qui détruit tout. Donc là, vous avez vu hein, les carcasses de coco. On va les jeter ceux-là aussi. Hop. Et voilà. Alors, ça, c'est un bout de tissu ou c'est de la pierre? Parce que si c'est de la pierre, ouais, franchement, pas ouf la texture. Hein. Pas ouf. Bon. Alors, on va terminer la fabrication du couteau. Voilà. Voilà. Et on va essayer de plus perdre. Ce serait bien de plus le perdre parce que j'en ai marre d'en fabriquer un autre. Ça craint quoi, ça craint. Donc, obtenez 4 feuilles de palmier. Abattez un palmier puis découpez le tas de palmiers pour obtenir des feuilles. Ok, ça c'est un palmier. Allez, on va niquer sa race. Alors, si vous arrivez à casser un palmier avec ce genre d'outils, franchement vous êtes des champions les gars. Si ça vous arrive un jour et que vous essayez de faire ça. Croyez-moi, on n'est pas dans un jeu vidéo. La réalité, c'est pas ça. Putain. Putain, il a laissé des cocotiers, des cocos, des noix de coco par terre. Donc allez, le tas de palmiers, on va le défoncer pour pouvoir en faire des feuilles. Allez, tu vas y arriver. Voilà, putain, je crois que j'allais jamais m'arrêter. On est plein, c'est une blague. Il va falloir vider son sac. Il va falloir choisir un endroit où camper, les gars. Alors moi j'avais mis mon feu ici, mais je pense pas que ce soit la bonne solution. Moi je pense que le mieux c'est de camper ici. Il faut trouver un endroit très bien dégagé. Et c'est ici, moi, je pense que la meilleure solution c'est de camper ici. Donc, je vais me débarrasser de tout ça. Tout ce qui me prend de la place et qui me sert à rien. Le temps que je trouve un endroit pour les stocker. Hein. Comme ça, je vais finir de ramasser mon palmier. Le tronc. On peut le ramasser le tronc ou qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, ok. Ok. Placez une cabane. Vous pouvez dormir dans la cabane pour sauvegarder votre partie. Ah ouais, donc on n'avait pas le choix de. Ok. On n'avait pas le choix de construire la cabane si on voulait sauvegarder la partie. Heureusement que je tourne les épisodes à la suite. Du moins les trois premiers. Alors, cabane. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la cabane? Il nous faut un morceau de bois et une corde. Une corde, je crois qu'on a le moyen de faire une corde encore. Je suis pas sûr. Non, on n'a pas encore les moyens. Petit, ouais. Ok, on va se faire du bois, les gars. En fait, le tronc, on n'avait pas besoin, hein, donc on peut l'enlever. Hein. On prend de la place pour rien. En plus, c'est gros. Voilà. Tout ça, on n'a pas besoin, les gars. Si on a besoin, eh ben, on en fera d'autres, hein, il n'y a pas de problème. On va faire du bois, déjà. Ensuite, on va faire la corde. Du bois, il nous en manque un. On va en prendre qu'un, on va pas en prendre trop non plus. Ça d'en prendre trop au final. Moi, au début je croyais que je devais remplir mon inventaire de stock au cas où, tu vois. Mais en fait non, ça sert pas à grand chose parce que les trucs ils repop. Donc là il faut les petits palmiers. Et bientôt il n'y aura plus des petits palmiers parce que à force de perdre mon couteau. Donc pour l'instant je l'ai pas perdu mon couteau. Ah voilà, petit palmier. Voilà,
Il nous en faut combien pour pouvoir faire notre corne? Il nous en faut encore 3. 3, 3, 3, 3. Où est-ce qu'on peut en trouver encore? Là. On a encore level up, hein. On a encore level up. Level up. C'est bon ça en vrai. Après on va regarder un peu les statistiques. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on a quand même assez level up dans l'épisode précédent. Palmier, petit. Jeune palmier, où es-tu? Où es-tu, jeune palmier? Il m'en manque deux. Bientôt, il n'y en aura plus, hein, en vrai. Ça se trouve, il n'y en a déjà plus, en fait. Ah ben, il y en a sous mes pieds. En vrai, il y en a tellement, c'est juste que c'est dur à voir. Ah, regardez, tu vois. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire la corde. Hop. On va fabriquer cette corne. Ensuite, il nous faut quoi d'autre pour faire cette cabane? Cette fameuse cabane. Ah bah c'est bon. On est tout bon. On est tout bon. Donc on avait dit ici. Hein. On avait dit ici face à la mer. Face à la mer. Hop là. Face à la mer. Oh là là, magnifique. On peut dormir ici. C'est magnifique. Voilà notre petite cabane, les gars. Je la voyais plus grande, personnellement. Le feu de camp, ben on va en faire un autre. On va en faire un autre, on va le mettre devant la cabane. On va déjà préparer la nuit du quatrième épisode, parce que je sais qu'on va passer la nuit. Hop, on va prendre ça, on va récupérer ça. On va maintenir pour éteindre le feu. Voilà, on va récupérer un morceau de bois. Et ensuite, on va se refaire le feu de camp là-bas. Pour ça, à mon avis, il me faudra encore un autre morceau de bois. Voilà, hop. Ah, mais on peut ramasser des trucs comme ça aussi. Je savais pas. C'est les jeunes palmiers, vous savez. On peut les ramasser aussi comme ça. Regardez. Vous avez vu? Donc, bah c'est cool. C'est cool. On apprend beaucoup de choses. Donc, le feu, on va le mettre un peu à côté, hein. Pas en face. Sinon, ça va nous bloquer le chemin. Donc, le feu. Hop. Ah non, il me manque encore du bois. Attends, on va mettre le truc directement comme ça, c'est fait. Il nous manque un morceau de bois. Ah, je commence à aimer le jeu en vrai. Je commence vraiment à aimer le jeu. Peut-être que je vais donner à quelqu'un d'entre vous l'envie de jouer à ce jeu ou de rejouer à ce jeu. Hein. Qui sait? Nice. J'ai oublié comment on faisait pour allumer un feu. C'est vrai qu'il fallait un morceau de bois, je crois. Un morceau de bois. Ben, c'est reparti. C'est reparti pour rechercher un morceau de bois. Bientôt, on va déforester la nature. Merde. C'est là qu'il faut que je prenne. Alors. On est bon, on est tout bon. Merde. Bon, faisons les choses correctement. Alors, il me faut les petits bois. Les petits bois, je vais les mettre dans les mains. Et ensuite, maintenir pour allumer le feu. Voilà. Ah mais non, ça sert à rien que j'allume tout de suite. C'est vrai que. À moins que. Il va pleuvoir? Ou il va faire nuit? Non, non, il va rien faire. Donc les morceaux de bois, je vais les poser à côté de moi. Ah, t'as vu? Vous avez vu ou pas? Vous avez vu? J'ai encore perdu mon couteau. Heureusement que je l'ai retrouvé tout de suite. Je l'avais encore perdu, ce connard. Ah non, je l'ai perdu. Attendez. Non, c'est bon. Fou. Oh, j'ai peur. Bon, il me donne plus de mission. Il me donne plus de mission, c'est bizarre. C'est bizarre. Ça, je voulais voir l'autre fois ici. Ce que c'était ou est-ce que qu'est-ce qu'on pouvait récupérer là ici là-dessus. Peut-être qu'on peut récupérer des choses. Non, on peut rien récupérer. Bientôt on pourra pêcher, hein. On pourra pêcher. Oh Nemo!
Nemo clown. Ah, j'ai vu quelque chose. Ouais, j'ai vu quelque chose, j'ai vu un requin, sa mère. Attention les requins parce qu'ils font mal les gars. Ils font mal les gars sur ce jeu. On a un morceau de tissu encore une fois. Peut-être que c'est celui que j'ai perdu l'autre fois. Donc s'il nous donne plus de missions à faire, d'objectifs à faire, le jeu, c'est que j'ai appris les bases. Maintenant c'est à moi de me mettre des propres objectifs. Des propres objectifs. Alors feu de camp amélioré. On va essayer de faire un feu de camp amélioré les gars. Oh, parfait les gars, parfait. Feu de camp amélioré. Comment ça? Ah bah oui. Oh magnifique. Magnifique. Feu de camp et brioche. Ah, c'est magnifique. Feu de camp et broche. Comme ça, on va pouvoir faire griller des crabes sur le feu. Alors, il faut de la corde. Allez, go, 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 go. Go chercher de la corde, les gars. Il faut de la corde, des morceaux de bois. De la corde, des morceaux de bois. Allez, on va taper celui-là. On va se mettre bien les gars, moi je vous le garantis. Et après on va faire... On va se mettre bien. Franchement c'est une bonne série. Si vous regardez ça le soir avant de dormir, vous êtes tranquille. Il y avait des trucs à ramasser ici. Oh, je dois me rafraîchir, elle doit boire. Je peux ramasser ou pas parce que là ça fait un moment que je tape ouais, quand même. Les morceaux de bois on a déjà. Il faut de la pierre, il faut de la corde. Bon, laisse tomber, il veut pas lui. Donc la corde, c'est bon, on a maintenant de la pierre et un morceau de bois. Comment ça? Je croyais que j'avais assez de morceaux de bois. Je dois trouver de l'eau. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Je vois que c'est assez urgent. Ok. Il y a des noix de coco ou pas? Il y a des noix de coco? Non, il n'y a pas de noix de coco. Vite, 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 vite. Elle va mourir. Putain, si on meurt, les gars. Pour de la merde. Noix de coco, ok. Noix de coco, ok. C'est ça le problème avec les noix de coco, parce que t'as l'impression d'être rafraîchi, mais en fait tu l'es pas. Parce que c'est pas de l'eau, la noix de coco, c'est pas de l'eau. Bah si, c'est un peu de l'eau, mais c'est pas assez hydratant. Allez, go, go faire de la noix de coco, parce qu'elle va devoir se rafraîchir. On en a trois. Merde. Ah, mon couteau il est où? Oh putain j'ai peur. Allez ça c'est fait, on va pouvoir le balancer dans l'eau. L'eau c'est la poubelle les gars. Mon couteau il est passé où? Mais wesh. Eh, hey, un petit poisson qui attaque ma de coco. Mais non, mais mon couteau il est passé où, sérieusement? Il a encore disparu, c'est une blague. Peut-être que je l'ai usé, hein. Je sais pas s'il y avait d'usure, s'il y a de l'usure dans le couteau. Ça m'étonnerait, hein. On avait juste perdu encore une fois. C'est une blague. C'est quand je ramasse. C'est bizarre. J'ai encore le petit couteau, vous avez vu? Moi je pense que le grand couteau il s'use plus vite. Allez, hop. Et voilà. Donc on va devoir se refaire encore un autre couteau. Bah, c'est génial. Je crois que je vais en faire plein d'avance. Je vais les stocker quelque part parce que ça va pas. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Ok, bah on a tout ce qu'il faut, hein, les gars, on a tout ce qu'il faut pour faire le feu de camp avec le truc par-dessus pour pouvoir griller nos petites choses. Oh là là, comment on se met bien, et Robinson Crusoe, il faut que je trouve quelque chose à manger, je suis trop faible. Bon, on a quelque chose à manger, Sorette. On a quelque chose, t'inquiète pas. Merde, il faut vraiment que j'aille. Il faut que j'aille faire mon couteau amélioré. C'est la merde, les gars. Est-ce que je peux? Non, j'ai déjà fait tout à l'heure, ça a pris 10 piges. Puis j'ai même pas réussi vraiment, tu vois. Là, ici, je peux récupérer ça. Faut vraiment que je fasse mon couteau amélioré.
Et je récupère la pagaie, il faut que j'aille me faire à manger. Il faut que j'aille tuer des crabes. Si on commence à devoir gérer la nourriture en mode triarde, ça va être chaud, hein. Ça, c'est dommage qu'on doit gérer notre nourriture, parce que j'aurais préféré ne rien gérer du tout. Il y avait une caisse, il y avait quelque chose à l'intérieur ou pas, je me souviens pas. Appuyez pour ouvrir. Il n'y avait rien. Je vais tuer la mouette. Il va commencer à faire nuit, les gars. Il va falloir trouver vite, 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 de quoi faire un couteau à murer. Attends, je vais déjà regarder ce qu'il me faut pour faire un couteau à murer. Si j'ai déjà tout, et surtout que la quantité de choses que j'ai. J'ai pas la corde. La corde, est-ce que je peux la faire? La corde, il me reste un truc, un palmier à prendre. Où est-ce que je peux aller trouver ça? Il est où? Je sais qu'il y en a partout, hein, mais c'est surtout pour les repérer. Là, regarde, il y en a un là. Donc, on en a un sur quatre. Non, on en a quatre. Ensuite, il nous faut un morceau de bois. Un morceau de bois, un morceau de bois. Let's go, on va prendre celui-là. Let's go, let's go. Voilà, enfin. Enfin, enfin, enfin. Alors, ensuite, on l'a fabriqué encore une fois, pour la énième fois. Pour la énième fois d'affilée. Des crabes. Écoutez, on va déjà allumer le feu, comme ça, le feu est déjà allumé pour ce soir. Ramasser. On va l'utiliser et on va rallumer le feu. Enfin, putain, je crois que j'allais jamais réussir. Et là, j'ai perdu le couteau. Non, j'ai quand même. Ah, il sent que ça fait plaisir d'avoir le camp de fées. Là-bas, il y a une structure, j'ai l'impression. Hein. T'as vu l'île? À moins que ce soit la montagne. Bon. La lune est belle ce soir. Nous avons rien à manger. Ah si si, on avait quelque chose à manger, on avait un crabe. Il fallait juste le couteau à murer. Alors, maintenir pour dépêcher, ok. Voilà, et on va essayer de l'attacher. On va voir s'il y a un truc qui me prévient comme quoi c'est prêt. Si c'est prêt à manger, si c'est cuit. Tout à l'heure, j'ai pas eu. J'ai vomi et tout. Parce qu'on voit pas si c'est prêt en fait. On voit pas si c'est cuit. Peut-être en se mettant là. On va voir, petit morceau de chair. Regardez la montre. Ouais, on a faim. On a faim, on a très faim. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oh, fait chier, c'était pas cuit. Et on a encore faim. Oh, bordel de merde, on a soif maintenant. Bon, écoutez. On va cesser là-dessus. J'espère que le prochain épisode, on va survivre. J'espère qu'on va pas crever. Donc, l'objectif du prochain épisode, c'est de se mettre bien au niveau de bouffe et eau. Trouver une solution. Parce qu'on va pas continuer à courir après des crabes et courir après des noix de coco. C'est pas la bonne solution. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Lâchez votre meilleur like. Et on se retrouve très rapidement pour le quatrième épisode de cette série d'aventures survie. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je dis ciao, Stakari. Bye!